Bonjour tout le monde, juste une petite vidéo. Comme ça, je vais répondre à quelques auditeurs hein, qui m'ont fait des suggestions. Bien sûr, je savais, ils avaient raison, mais il fallait attendre d'avoir un petit peu de finances pour le faire. Donc voilà, j'ai reçu ce matin le pack. Ça, c'est mon ancienne équerre qui n'en peut plus. Vous voyez, qui est scotché, le boîtier a lâché, etc. Bon, ça décharge. Je l'ai acheté en 2004. Nous sommes en 2023. Donc, grosso merdo, elle a 19 ans. Et elle a souffert. Elle a pris la flotte, la grêle, la neige, le froid, la chaleur, a crevé en ville. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Donc, la nouvelle Wolfgang G400, ici. Hop. Je l'ai reçue ce matin. Avec tout ce qu'il faut, les boîtiers, etc. Alors la quantité d'accessoires est juste phénoménale qui est livrée avec. Alors je précise, je l'ai trouvé sur Cdiscount pour 57 €. Et il y a absolument tout. Elle est livrée donc avec deux batteries. Donc ces deux-là, ici, ici. Et à côté, coup de bol, c'est les mêmes que la Eken. Sont un peu plus de capacité, mais bon, je ne suis pas sûr. C'est les mêmes que les Eken. Donc voilà, j'ai celle-là, puis celle-là qui est en train de charger. Donc j'ai trois batteries de la Eken qui vont me servir. Une est un peu faible. Et plus deux. Donc maintenant, j'ai cinq. Je cherche le cadre. J'ai cinq batteries. Deux caméras. Celle-ci, donc, 4K. Comme l'autre. L'autre aussi était en 4K, mais inexploitable. La stabilisation ne marchait quasiment plus. Bref, elle buguait, elle s'arrêtait. Bon, bref, bon. Elle a fait sa vie. Donc celle-ci, 4K, mais en fait, je ne vais pas filmer en 4K. Tout simplement parce que mon PC, là-bas, déjà en 1080, en 30 ou 60, chaque pack de 10 minutes, vous savez, les portions de vidéo, elle coupe toutes les 10 minutes. Elle fait des morceaux de 10 minutes. Eh ben, ça fait entre 1 giga 2 et 1 giga 5. Les 10 minutes. Vous faites une vidéo de 30 minutes, ça, de suite c'est lourd, c'est gros. En 60 frames par seconde, ça double. C'est 2 gigas les 10 minutes. Je vous dis pas, le pauvre, il a un peu de mal à calculer tout ça le soir, à assembler, à faire le montage. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, on s'amuse. Ben avec tout ça, j'espère arriver à faire quelque chose d'un petit peu mieux. Bon, je suis pas un grand réalisateur, je shoote, je filme. Puis je coupe, je garde 20 ou 30 minutes de ce que j'ai filmé. Et si vous me connaissez, vous voyez bien que moi, je suis pas un grand metteur en scène. Mais bon, avec ça va être un peu mieux. Et puis là, il y a une stabilisation de trois axes. Ça va être mieux. J'ai, comme l'avaient suggéré certains auditeurs, je les écoute, vous voyez. Non, mais je le savais, mais il fallait que je change de caméra. J'ai un micro-cravate. Je vais pouvoir parler en roulant. C'est pas mal, ça. Et puis peut-être que la qualité de son sera un peu meilleure qu'avec la pauvre Ken. Voilà, etc., etc. Après, tout le reste, c'est que du classique. Donc, d'après les avis clients, ces batteries donnent jusqu'à, en mode, en 720, 30 frames, ça donne jusqu'à quasiment 2 heures d'enregistrement. Bon, en 1080, la plupart disent 1 heure et demie, 1 heure et quart, 1 heure et demie par batterie. Bon, ça me fait 5-6 heures d'autonomie avec 5 batteries, c'est pas mal, hein? Donc ça va aller un peu mieux, ça va m'éviter de devoir me faire chier à la brancher ou autre. Mais j'ai toujours sur la moto la possibilité, j'ai toujours le cordon USB qui me permettra éventuellement, si nécessaire, de recharger si on partait sur plusieurs jours et au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Donc ça me permettra de recharger sur la moto. Voilà, bon, le seul truc que je reproche, bon, rappelez-vous du prix 57 €. Le seul truc que je reproche, c'est qu'il y a bien deux batteries, mais il n'y a pas de chargeur. Ce qui veut dire qu'il faut faire ce que je fais là, c'est-à-dire une batterie dans chaque caméra, et on charge. Et quand c'est fini, on ouvre, on sort, on retourne, on change la batterie, on met une nouvelle, on recharge. Donc ça veut dire qu'il faut le faire 5 fois. Donc c'est à peu près 5 heures de charge. Alors j'ai peut-être très prochainement, c'est pas pour le prix que ça vaut. Mais je n'en ai pas trouvé, je voulais grouper la commande et je n'en ai pas trouvé au moment où j'ai passé la commande, un dock de chargement. Bon, il m'en faudrait deux pour charger quatre batteries à la fois. Bon, on y va tout doucement. Le principal, c'est d'avoir la moto. Après, les accessoires viennent plus tard. Ceci dit, quoi d'autre? Bon, ben, rien. C'était juste pour vous informer que ça y est, j'ai un peu plus de matériel, un peu mieux.
Et on verra ce que ça donne après. Bon, il faut attendre qu'il arrête de pleuvoir parce que ça fait 10 jours qu'il pleut. Puis là, le soleil passe, il y a un rayon de soleil, et puis, paf, averse. Cet après-midi, comme tous les après-midi, alerte orage violent, alerte grêle. Allez rouler sous la Patati pluie. patata. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Profitez bien de tous les jours fériés que nous avons là, de tous les ponts. Et ben, je vous dis à bientôt pour voir. J'espère que ça va bien marcher et qu'elle ne va pas bugger celle-là. Vous verrez bien. De toute façon, vous verrez la différence de qualité d'image. Je pense que ça se verra. Allez, sur ce, bonjour les gens et à très bientôt. Bon, là, ben, je fais le commentaire au montage parce que, comme vous le voyez, la caméra, je m'en suis rendu compte en rentrant le soir. J'étais en train de vous expliquer ce que j'allais faire. En fait, la caméra, lorsqu'elle est là, elle était dans son boîtier étanche. Eh bien, on n'entend que le bruit de la manipulation de la caméra, mais on n'entend pas la voix. Mais alors, pas du tout. Déjà, on n'entendait pas beaucoup sur la Iken, comme quoi, vous voyez, parfois on est déçu par le matériel qu'on vient d'acheter. Donc voilà, je vais la tester sur le VTT, je vais la fixer sur le guidon. Alors, niveau qualité d'image et stabilisation, c'est tout à fait correct, il n'y a pas à se plaindre, surtout pour 57 euros. Par contre, il y aura du son qu'à partir du moment où je vais m'arrêter, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, au bout de quelques kilomètres, et que je vais brancher le micro-cravate. Donc, ben voilà, je vous laisse découvrir le reste des images. Vous allez le remarquer, vous allez entendre le son. En fait, on entend les bruits de, on entend les bruits généraux autour du vélo. C'est assez curieux. En fait, j'ai compris après coup, la caméra, c'est pas une bonne idée de la fixer sur le guidon parce que le boîtier lui transmet toutes les vibrations, les bruits de frein, le bruit de roulement des pneus. Et par contre, vous voyez, je peux parler, on n'entend rien. Ça ne sert à rien de parler. Maintenant, je le sais, il fallait bien tester. Donc voilà. Alors vous voyez la qualité d'image, elle est bonne, il n'y a rien à dire. Là c'est en 1080 30 images secondes. Les couleurs ne sont pas dénaturées. Elle gère bien les contrastes, vous pouvez le voir. J'ai le soleil au-dessus de la tête, mais ça fait rien. Non, elle marche bien, l'image, tout ça, c'est très bien. Vous voyez, c'est stabilisé, c'est pas secoué ni rien. Par contre, ben, le son, il faut pas la mettre dans le boîtier parce qu'on n'entend que les vibrations du boîtier lui-même. Que transmet le guide. On traverse deux jolis petits parcs séparés par une avenue. C'est vraiment joli le coin. Et par ce chemin, je vais accéder à les 5-6 minutes au bord du canal du Midi. Là, sur ces petits cailloux là qui font tressauter le vélo, la stabilisation travaille, mais là elle a un peu de mal. Vous verrez aussi au bord du canal, il y a des endroits où c'est assez caoutchouteux avec des racines, des cailloux, des trous. Bon, c'est mieux que l'ancienne. Hein. L'ancienne, j'étais obligé de stabiliser au moment du montage, faire calculer l'ordinateur, le programme pour stabiliser l'image. Là, c'est mieux, mais elle est quand même, enfin, c'est pas une GoPro à 350 euros. Stabilisation, vous voyez, quand c'est très caoutchouteux, les vibrations rapides, elle a un petit peu de mal.
monter sur le talus, en fait, on va grimper sur la tête du pont qui va passer au-dessus du canal du Midi et on va descendre de l'autre côté. Et là, ça y est, on sera sur la piste. Alors, l'air de rien, ça grimpe. Regardez l'inclinaison du sol par rapport aux arbres. Je ne sais pas combien il y a de pourcentage, mais c'est sec, des petits cailloux roulants. Et content d'avoir l'assistance électrique. Là, je suis en assistance 2. Ça monte tranquille, sans forcer. Je devais être en 2 ou en 3. À l'arrière, j'ai une cassette 12 vitesses. J'étais en deuxième ou en troisième. Et bon, c'est sympa. Et là, la descente, elle est pas mal aussi. Et au retour, on va le remonter ce talus. La caméra écrase, regardez. Là, on descend d'une quinzaine de mètres sur 50 mètres. C'est plus de 20% de pente. Enfin, je sais pas. Il me semble que c'est plus de 20%. Oui, allez. Sur le pont canal, vous verrez au retour, vous le verrez mieux. Dans le canal du Midi est à gauche, on est sur c'est un pont qui passe au-dessus de l'autoroute. Au retour, vous verrez mieux la hauteur qu'il y a au-dessus de l'autoroute. Voilà, alors, non, vous voyez, c'est la stabilisation sur les gros chocs, petite vibration et gros chocs. Encore une fois, c'est mieux que la vieille Eiken qui n'en pouvait plus, mais ouais, ben, encore une fois. Hein. Si vous voulez une vraie stabilisation pour avoir l'impression d'être sur un tapis volant, il faut acheter une GoPro, mais il faut y mettre 350 euros. C'est la partie terre, je préfère ce côté. Alors là, je prends quasiment toujours de ce côté. Bah, avec un VTT, autant aller sur la terre plutôt que sur le goudron lisse. Et en fait, ça va devenir de plus en plus caoutchouc. Les racines apparaissent de plus en plus. Et il y en a de belles en travers, il y a des trous, des bosses. Moi, j'ai trouvé un réglage de fourche, j'ai travaillé un petit peu pendant la coupure hivernale. J'ai franchement assoupli à l'avant, en détente et en compression. J'ai gardé la même pression d'air, mais ce qui est recommandé par le constructeur. Mais bon, ça va mieux. Parce que la dernière, ça t'a passé. Là, j'ai 2,5 kg dans les pneus. Je pourrais descendre à 2 kg. Mais je voulais que ça roule, ça trop forcé. Hein. C'est la reprise après l'hiver. Moi, aujourd'hui, je vais faire 32 km. C'est pas énorme, 32 km, mais bon, j'ai rien fichu pendant l'hiver. Et. Ah, les rhumatismes se réinstallent, les genoux, etc. Donc, ah ben tiens, voilà un petit passage. J'y vais, j'y passe, mais j'en ai vu se foutre à l'eau parce que le guidon passe au ras du mur à droite, vous voyez. Et par terre, c'est plein d'ornières. Et j'y repasserai pas la prochaine fois parce que le guidon passe à 10 cm du mur à droite. La moindre erreur, et on est à la maille. C'est pas profond, hein, il doit y avoir 1 mètre d'eau, 1,20 m. Sauf que l'eau, elle est dégueulasse. C'est vide de plonger. Et puis alors, je vous dis pas, la caméra là, elle était plus dans le boîtier étanche, je l'avais enlevée, elle aurait peut-être pas aimé. Vraiment agréable. Là, vous voyez, aujourd'hui la température va monter jusqu'à 28 degrés, mais là sous les arbres il fait 24 à peu près, je me souviens plus, 24 il faisait. Attention madame, digning. Et c'est tellement agréable là, cet ombrage, la fraîcheur de l'eau à côté. Vous voyez, c'est c'est vraiment bien. Enfin, parce que quand même là où je vis, il y a des arbres, mais c'est quand même entouré de béton. Et là, en cette saison, il y a quasiment personne. La piste est toute pour nous. C'est très bien. Mais vraiment, vraiment. Cette caméra, c'est que quand elle est tournée vers soi, on n'a aucun témoin qui indique que ça fonctionne. Sur l'ancienne, la Eiken, on avait un témoin sur le dessus qui clignotait rouge. Et là, on n'en a pas. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas si la télécommande a fonctionné. Il faut regarder derrière à chaque fois.
Donc peut-être que des fois je penserai enregistrer et non, et d'autres fois j'enregistrerai alors que je penserai avoir arrêté. On verra. Voilà, je teste à nouveau. Stop. Voilà. Ça enregistre, ça démarre. On démarre le vélo. Alors j'espère que vous m'entendez peut-être la péniche qui passe à côté. Là, vous l'avez pas. Voilà, on y est. Bon, j'avais installé le micro-cravate, mais le micro-cravate, je l'avais accroché sur le rebord de ma petite sacoche de cadran. Et bien, en fait, ça marche pas. J'ai baissé le son de la bande-son vidéo parce que ça grésille, ça crépite et tout. Et bon, là non plus, ben, vous voyez, on était en plein test, donc ça ne marche pas très bien. Et après, je vais finalement accrocher le micro à une bretelle du sac à dos et ça va enfin résoudre le problème. Encore moi, merci. Le village, la révision, la cassette est neuve. 20 km dans 20 minutes et 14 secondes. Le dernier kilomètre vous a emmené 5 minutes et 25 secondes. La fréquence cardiaque est de 129. J'ai jamais eu de truc comme ça. Jamais. J'ai jamais utilisé de logiciel d'entraînement ou autre. Oui, évidemment, je le vois que maintenant au montage. C'est grésillement en fait. Alors, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le micro, mon téléphone était dans la sacoche, puisque j'ai testé aussi une application avec ma montre connectée. Vous avez entendu la dame parler, qui parlait de ma fréquence cardiaque, etc. Et en fait, le téléphone est relié au réseau, il est en Bluetooth. Eh bien, les grésillements que vous entendez, les crac, crac, crac par moment, en fait, c'est ce qu'émet le téléphone. Le micro étant posé juste au-dessus, ben ça le perturbe. Le micro reçoit les grésillements générés par la transmission radio. Ah ben, on découvre, c'est le test. Je vais faire une petite pause de café à la pizzeria qui est ouverte. Là, je vais mettre une petite table au soleil. Je vais là, parce que je pose le vélo juste à côté pour le surveiller. C'est un vélo qui peut tenter beaucoup de monde. C'est quand même bien les bords du canal, puisque vous voyez, pizzeria di Palma, mon double expresso. Bon, ça c'est pas bien, mais ça fait rien, on s'en fout, je suis vieux maintenant. La fréquence cardiaque est de 122.
pour changer la batterie. Ça m'étonnerait qu'elle attende, qu'elle tienne encore 45 minutes jusqu'à la maison. Donc, on va la changer. Hop, on descend la selle. Et voilà. Extra. Oh, ce que je suis souple. J'en reviens pas. Bon, allez. À tout à l'heure, les amis. On va changer tout ça. Donc, voilà. Où j'en suis là. J'ai fait. Alors. Vous voyez, je suis en assistance 2 ici. Je peux monter 3 modes turbo. J'ai fait combien? Alors, ça, c'est ma consommation quand on roule. Autonomie restante 47 km. La batterie, je l'ai chargée 2 fois pendant l'hiver, mais là, ça fait, je l'ai chargée il y a plus d'un mois. Donc, je suis parti avec seulement 50 km d'autonomie annoncée. Et en fait, j'en ai fait, on va voir combien. Vous voyez, sur 50 au départ, il m'annonce qu'il reste 47. Et pourtant, j'en ai fait 22,7. Donc on a 60, pour l'instant c'est 62 km d'autonomie. Voilà, 22,7, il me reste entre 8 et 10 à faire pour rentrer. Ouais, oui, je vais faire 30, entre 30 et 35 km, je refais. Le vélo totalise 1988 km. Et puis après vous avez les réglages d'hiver, patati patata. C'était pour vous montrer un petit peu le menu. Voilà, on le met en pause. Enfin, on l'éteint. Voilà. Voilà un peu le montage et tout. La bête, oh, il y avait un peu de gadou tout à l'heure. Alors comme j'habite en appartement et que le vélo, ben, je le stocke dans l'appartement, il va falloir que je le nettoie à l'extérieur. Sauf que dans la résidence, à l'extérieur, est-ce que vous disiez, la cassette est neuve? Bon, là elle est pourrie maintenant, mais elle est neuve. Ce qu'il y a à l'appartement, ben, il n'y a pas de robinet, il n'y a rien, il n'y a pas de tuyau d'arrosage, rien. Il faudra que je me trouve un système pour pouvoir au moins laver la moto et le vélo. C'est un peu chiant. Voilà. Donc, je cherche à vous donner plus de détails. Vous voyez, RockShox Lyrics. Et c'est des R quelque chose, je sais plus. Debonair, voilà, c'est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Debonair. C'est la série Debonair et elle a été préparée, la fourchette. L'amortisseur, je ne sais pas. Vous voyez, avec ses réglages ici. Ici, détente en rouge, compression ici, la valve de gonflage. J'étais peut-être un peu près, voilà. Le cadre en alu, bien sûr, la tige de selle télescopique. Ça, ceux qui n'en ont pas, je vous le conseille. C'est extraordinaire, franchement. Et ouais, c'est top, voilà. J'ai appris quoi, une petite voyez, la colonne, la douille de direction, vraiment caractéristique des productions Sun. Il y a un énorme roulement en bas. Et déjà avec les gros en haut, mais alors le roulement d'en bas c'est énorme. C'est voilà, et le cadre est magnifique, franchement. Il est superbe. Et ce moteur Brose est un vrai régal. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un régal. Il est couple. Je ne sais plus combien les valeurs, je ne me rappelle plus maintenant, mais en fait c'est énorme. En fait, ce moteur a plus de couple que celui de ma Honda 750. Donc vous voyez, c'est. Bon, après la puissance, non. Bah, il fait 250 watts, 500 crêtes. Mais voilà. Bon, allez, je ne vais pas vous saouler davantage avec ça. C'est... Mais il y a des gens qui me demandent ouais, mais oui, plus de détails, plus de ceci, plus de cela. Comme... Ils ne pensent pas forcément à regarder les autres vidéos que j'ai faites. Donc voilà, à chaque fois, je redonne un petit peu les détails. Allez, on va. Je vais finir ma clope spéciale sportif. Ça, c'est une cigarette, c'est pour les sportifs. Elle fait pas mal. C'est... Non, elle fait pas mal. Allez, à tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme le cadre ouvert pour pouvoir brancher le micro, etc. C'est pas, il est plus, la caméra n'est plus dans le boîtier étanche pour la plongée, vous savez, mais dans un boîtier ouvert. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas bien calculé. J'avais en fait, pourquoi la batterie, l'autonomie a chuté, c'est parce que si vous touchez un des boutons sur le côté, vous enclenchez le Wi-Fi. Donc elle essayait de se connecter à mon téléphone, sur lequel le Wi-Fi n'est pas allumé. Et bah, en fait, vous bouffez la batterie, mais le témoin est caché par le clip supérieur qui maintient la caméra. Et derrière, vous avez deux témoins, un rouge et un bleu. Bleu, fonctionnement, machin, et tout. Et rouge qui clignote, c'est que vous êtes en train d'enregistrer. Eh bien, vous ne le voyez pas, parce que c'est caché par le cadre autour. Ben, les ingénieurs chinois, ils n'ont pas trop réfléchi. Allez, on repart après la petite pause. Toujours le micro accroché à la sangle du casque. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop. Ce fil qui pendouille est agaçant, par contre. Attends, je vais le coincer. Dans l'entrebâillement de la sacoche,
ça devrait aller, j'espère. Allez, toujours assistance 2, et on est reparti. Et hop, on remonte la Seine. Et en fait, maintenant, on va se rendre à Rangueil pour aller boire un café chez Tonton Greg. Ouais, Tonton Greg, c'est le copain qui a le bureau de tabac. Bureau de tabac, PMU, tout ça. Donc là-bas, on va boire un bon petit café à la machine expresso. Ça fera le deuxième. Comme ça, le petit quinquin, il marche. C'est bon, ça, ça donne du peps. Et en fait, tiens, ben, on va rentrer par le côté goudronné, le côté roulant. On s'est un peu secoué la pulpe dans les bosses, les ornières et tout ça. Et on a bien sali le vélo. Ben, ça lui a fait sa première sortie. Et maintenant, on va rentrer par le côté roulant. Là. Bon, je ne sais pas s'il va y avoir du vent dans le micro. Il est équipé d'une bonnette et soi-disant d'un réducteur de souffle programmé dans l'électronique. Alors, on verra, hein. On verra le résultat. Hein. Je découvrirai à la maison. Toujours pareil, là, c'est paysager. Ah, c'est chouette. Je ne sais pas si vous voyez sur la gauche là, les péniches. Les gens vivent à l'année dessus. Bon, on va pas prendre le tourniquet, on va contourner le bassin de levage des bateaux. Le tourniquet, il est là. J'ai failli déjà m'emplâtrer déjà, parce que moi je fais gaffe, j'y vais tout doucement. C'est de la largeur, un peu plus que la largeur du guidon, on va dire, ça va faire entre 2 mètres et 2 mètres 50 de large. Mais les gens, ils arrivent là-dedans, vous montez, vous descendez prudemment. Et eux, ils arrivent au taquet, là, au milieu de la route, par paquet de 3. Ça ne va pas s'arrêter, ils ont loué le vélo ou ils ont pris un vélib, ils connaissent rien. J'ai failli me prendre un carton à plusieurs reprises, donc maintenant je passe plus par là. Il y en a d'autres retraités qui font du vélo. Putain, ça déconne. Je pensais pas qu'un jour je dirais oh, je fais du vélo, ça me fait du bien, je suis content, mon Dieu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Parfois, la vie vous pousse à faire des choses qui sont nécessaires pour votre santé, pour ne pas finir en fauteuil roulant. Donc voilà, on le fait. Et finalement, c'est bien sympa. Et là aussi, on peut boire un coup. Je suis déjà allé boire un coup ici. Oh, attention, c'est pas énorme. Il faut appuyer un peu. Là, 51-10, oui, oui, là, il faut. Sur les pneus freinent tellement, là, malgré que je les ai mis à 2,5 kg. Le vélo, lui, il a une roue libre parfaite, pas de bruit, rien ça. Et les pneus, j'ai voulu des pneus comme ça. Et donc, bah oui, ils ont une super accroche à la gadoue. Ils accrochent très très bien dans la terre, dans l'air humide partout. Mais sur le goudron, c'est pas fait pour eux. Tout ce que vous avez en plus en tout terrain, bah, vous le perdez sur le goudron. De plus en plus des gravels. Ben, c'est sûr que là où on est, ça roule mieux que le mien. Par contre, de l'autre côté, c'est-à-dire là-bas, sur l'autre berge, là où on est passé tout à l'heure, avec un gravel, c'est moins amusant. Moi, j'apprécie. À chaque mètre que je parcours de l'autre côté, sur l'autre rive, j'apprécie les suspensions, le grip, tout ce que vous voulez. Un scooter, un moteur. Vous voyez, c'est interdit les véhicules à moteur ici. C'est interdit, putain. Allez, je me recule sur la selle. Je vais chercher la mousse, le gel un peu plus épais à l'arrière. Je me remets d'assistance de merde. Ah oh. Oh, de suite, on sent l'amélioration. C'est bon, je vérifie que ça enregistre toujours. Il faut faire attention aussi parce que vous en avez qui sortent hein, au milieu. Allez hop, il y a une à droite, c'est bon. Et je
vais prendre l'aspiration du monsieur. Oula, je me lance dans un dépassement. Vous avez du courage, moi j'ai une aide électrique. Hein. Bravo monsieur. Bon, ça fait rien, il est lourd et les pneus à tétine, ça me crève un peu. Il hein. Faut appuyer quand même. Attention, un vélo vert électrique, bonjour. Là, on est derrière l'université Paul Sabatier, vous voyez. Voilà. On est à 22-23. Là, ça va, 22-23. Dès qu'on arrive à 25 et quelques, à 26, il coupe. Mais alors là, ça devient une armoire à amener. Il devient lourd. Donc, je reste toujours un peu en dessous, 22, 23, 24 maxi. Et là, on arrive, pour ceux qui ne connaissent pas, au pont canal. Allez, on va arrêter de regarder, on va y aller doucement. Vous voyez ici, c'est un pont. Vous avez l'eau. Bon, le canal du Midi est ici, vous voyez. Voilà. On va avancer un peu. Et vous voyez ici, à gauche, là, en dessous, c'est l'autoroute. Donc, vous avez le pont canal, le canal du Midi qui passe sur un pont, au-dessus de l'autoroute. Il n'y a personne, vous voyez, l'autoroute elle est là en dessous. Étonnant, non? Voilà, je suis passé en assistance 3 parce qu'on va monter le talus, on va monter sur le flanc du pont. Là, il y a un pont au-dessus du pont, au-dessus de la route. On va monter là, vous voyez. Donc, en fait, on va monter là. Pas sous le pont, derrière, vous allez voir. Là, c'est pour ça que j'ai mis une assistance 3, il le faut. Hein. Hop, on tombe de vitesse. Et hop, on y va. Et allez, c'est parti. Et hop. Là, je vous garantis que ça monte. Et là, j'appuie sur les pédales, je fais pas ça. Et ça monte. Hop. Et là, c'est la montée de tout à l'heure. Et bien, on la prend dans l'autre sens. Bon, là, une fois que je suis descendu, j'ai lâché les freins. En bas, j'ai failli manger le grillage. Donc là j'y vais souple sur les pattes arrière. Puis c'est un délai. Voilà. On est presque. On n'est plus qu'à 2 ou 3 km du pont café de Tonton Greg. Civilisation. Un joli petit parc de la Poste. Ah putain, l'an dernier il y avait un champ, dedans il y a un immeuble. Ils construisent partout, c'est phénoménal. Regardez ça. Bon. Rien que dans ma rue, ils ont construit 5 nouveaux immeubles, putain. Ouais, attention à la traversée. Bon, j'y vais. Et là, on va pas passer par ce parc qu'on avait traversé à l'aller. Et on va prendre un raccourci pour retomber sur l'avenue principale où se trouvent les commerces.
et on arrive à éviter quand même la circulation. Je ne veux pas aller sur ces voies principales avec les bus, les trucs, les machins. C'est, je trouve ça franchement dangereux à vélo. Là aussi, on arrive en angle, méfions-nous parce que le mec il déboule, là il coupe à la corde. Je fais, même en vous baladant tranquille comme ça, vous pouvez avoir 10 accidents en une heure. C'est phénoménal ce que les gens font n'importe quoi. Merci. On va faire gaffe à traversant. Officiellement, on ne traverse pas en vélo sur un passage piéton. Je le rappelle à ceux qui... Je vous le rappelle là, si vous avez un accident en faisant ce que j'ai fait, vous faites percuter par une voiture, vous êtes en tort. C'est un passage piéton, on doit traverser en tenant le vélo à la main. Voilà, moi, vu la hauteur du vélo, et pour en descendre et remonter, si je peux m'en passer quelquefois. Et voilà, on est presque au bout, ici aussi, attention, les gens qui sortent à gauche, ou n'importe où. Et on va arriver à destination. Donc, ben, je vais couper la vidéo, là. Et, ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas c'était sympa, j'espère en tout cas là que je ne parle pas pour rien, que le micro a bien enregistré et que le son est correct, on verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, si vous le voulez.